essayé un modèle Roxy Current of Cool en 3-2. Alors en prise en main, elle a l'air très flex, elle est légère. Elle a un design plutôt sympa pour une fille avec des fleurs et le bas noir, donc plutôt élégant. C'est en front zip, un front zip bien voyant orange. Elle a le bouton en plus pour fermer, donc ça va éviter l'entrée d'eau. Il y a l'élastique pour mettre les clés si besoin. Elle a du renfort au niveau des genoux, les deux. On peut voir à l'intérieur qu'elle a des renforts pareils au niveau des chevilles et des poignets pour éviter toute entrée d'eau. Ça, c'est pas mal parce que ça arrive souvent sur les autres combinaisons. On va regarder l'intérieur. Donc le néoprène, il est fait à partir d'élastane recyclé et polyester. Ils ont essayé de... Enfin, ils font une combinaison avec des matériaux recyclés, notamment la colle est faite à base d'eau. Donc ça, c'est vraiment un point positif parce que c'est vrai qu'en tant que surfeur, c'est bien de faire attention à la nature, surtout les combinaisons. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a à partir des genoux jusqu'au niveau de la poitrine, un renfort pour plus de chaleur. Toutes les coutures, elles sont cousues collées avec en plus du néoprène dessus. Donc ça évite toute entrée d'eau et pour le confort, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il n'y est pas en basse, ce qui permet une grande flexibilité au niveau des jambes basses et du haut du corps. Donc pour la prise en main de cette combinaison Roxy, je vais mettre 4 sur 5. Alors là, je viens d'essayer la combinaison, enfin de mettre la combinaison Roxy. Et elle est un peu plus dure à mettre, j'ai mis plus de temps. Je la trouve moins flex, donc à voir dans l'eau. Et par contre, elle est vraiment, esthétiquement, elle est vraiment top. Elle est vraiment jolie, noire, juste avec ses petites couleurs. C'est un point positif. Donc la note pour l'essayage, je mettrai 3,8 sur 5. Je viens de surfer avec la combinaison Roxy et le bon point c'est que la coupe est bien ajustée au corps des femmes. Encore une fois, elle est chaude, par contre elle manque vraiment de flexibilité à mon goût. Du coup pour la session surf avec la combinaison Roxy, je lui mets 3,7 sur 5. Le prix de cette combinaison Roxy est de 299,99 centimes, donc elle est quand même moins chère que les autres. Elle est moins flex, c'est sûr, mais elle tient chaud, elle est moins chère que les autres. Elle est jolie, et puis je cherche vraiment à faire une démarche écologique. Donc je ne la conseillerais pas à quelqu'un qui veut vraiment faire de la performance, mais à quelqu'un qui commence le surf, c'est un bon investissement, un bon rapport qualité-prix. Donc elle est vraiment pas mal là-dessus. Donc l'engagement de la marque Roxy, c'est qu'ils proposent un SAV de réparation si les combinaisons sont abîmées.